Yo la famille, c'est Rock'n'Roll 2, j'espère que vous allez tous très bien la famille, en tout cas pour ma part ça va super. Donc aujourd'hui la famille on se trouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo vraiment très spéciale parce que aujourd'hui la famille je vais tout simplement vous montrer ma collection de chaussures, enfin toutes les chaussures que j'ai, en sachant que là j'en ai reçu des nouvelles, je vais vous les montrer, elles sortent tout droit de la boîte Adidas ma gueule, elles sentent frais etc. Et voilà, si je fais cette vidéo là la famille c'est tout simplement parce que j'ai vu que la vidéo unboxing Lacoste vous a grave plu, et là je me suis dit pourquoi pas vous présenter toutes les chaussures que j'ai, en sachant que je mets des chaussures Nike, Adidas, enfin des marques sportives, des belles chaussures qui ont un beau design, etc. Donc dans cette vidéo on va tout simplement vous présenter tous mes chaussures. Donc je vais faire un haul de mes chaussures en vous présentant bien évidemment tout d'abord les 9 la famille. Donc déjà pour commencer, vous dites moi dans l'espace commentaire vous avez quelles chaussures en ce moment, parce qu'il faut savoir que moi j'en ai pas mal et j'aime bien en fait avoir plusieurs chaussures pour les changer, tu vois, pour pas que ça s'use rapidement. Donc là tout d'abord la famille je vais vous montrer donc les deux paires de Adidas que j'ai acheté. Donc en fait j'ai acheté déjà pour commencer la nouvelle collection de chez Adidas. Donc regardez. Donc ça, c'est la nouvelle paire de chez Adidas, nouvelle collection, franchement elle est juste magnifique. Moi je la trouve vraiment super belle, après j'avoue que c'est peut-être un style un peu différent. Mais voilà, c'est une Adidas, donc regardez le logo, il est juste là. On voit les feuilles, mais on voit pas bien, mais franchement, je les trouve super magnifiques. Donc je les ai pris en blanc, et aussi, dans la deuxième boîte, en fait, j'en ai pris deux, t'as vu, parce qu'on s'est dit, voilà, elles sont belles, autant en prendre deux. J'ai pris aussi une paire de Adidas en noir. Cette fois, donc c'est exactement à peu près la même, mais en noir. Donc regardez, on voit le truc Adidas. Enfin, c'est bien caché, c'est ça que j'aime bien. En fait, la marque elle est cachée, ça fait un peu mystérieux, mais je les trouve vraiment super belles ces paires de chaussures. Donc voilà, j'ai acheté ces deux là en neuf, donc une blanche et une noire, donc de chez Adidas. Hein. Ensuite, je vais vous montrer les chaussures aussi que je mets en ce moment. Donc tout d'abord, là on a mes meilleures chaussures de Best of the Best. Donc là, on a une paire de Air Max 2017. Donc celle-là, franchement. Je kiffe. Donc voilà, c'est les Air Max 2017. Non, elles coûtent un peu cher quand même, je les ai achetées un peu cher. Mais ouais, franchement, elles sont super belles. Donc regardez, c'est des Air Max. Ce que j'aime bien en fait, c'est sur ces chaussures là, c'est qu'en fait, il y a des suspensions. La tête d'homme, en fait, quand tu marches, t'as l'impression d'être dans un Range Rover. La tête d'homme, genre, je rebondis, je me crois dans Mario. Genre, je tape des sauts dans la rue comme ça. Genre, je saute d'immeuble en immeuble. Franchement, elles sont vraiment super belles, celles-là. Donc, celles-là, j'ai celles-là. Donc, quand je fais du sport, etc., je vais vous présenter. Les autres chaussures aussi, parce qu'il faut savoir que moi je suis un mec qui kiffe la sable comme vous le savez. Je vais vous présenter la paire, la classique que je mets aussi souvent. Donc on a la paire de URH, donc voilà vous connaissez tout je pense. Ça c'est le classique, c'est des chaussures, la tête d'homme on dirait des Transformers, elles sont super belles. Donc c'est la marque Nike, hein, voilà, je mets des URH et comme pointure, enfin dans toutes les chaussures je vais essayer du 43-44. En sachant que je mets du 43-44, donc regardez, une belle petite paire de URH Nike en noir j'ai pris parce que j'aime bien le noir. Ensuite, je vous montrer tout simplement une paire de Nike. Ça, il me semble que je me rappelle plus du nom exact, mais je crois que c'est les Air Force One, la famille. Donc attendez, je vais diminuer l'éclairage, comme ça vous voyez bien, voilà. Donc c'est les Air Force, je sais plus si c'est les Air Force combien, mais c'est une paire de Nike totalement blanche. Elle est super belle, je trouve, donc regardez. Hein. Celle-là, elle est quasi neuve, je l'ai achetée, ça fait même pas 2 semaines. Donc regardez, tout simplement magnifique en blanche. Aussi, dites-moi laquelle vous préférez. Hein. Il en reste encore, de toute façon je vais vous en présenter. Donc voilà, j'ai pris celle-là parce que j'aime vraiment bien j'ai aimé le côté blanc. Tu vois, tu le mets avec un jean, ça fait super stylé. Donc une paire de Air Force, il me semble, si je dis pas de la merde, en Nike blanc. Voilà, en taille 44 aussi. Et là je vais vous montrer encore une paire. Donc celle-là, ma gueule, c'est une paire, la tête d'homme frère. C'est plus une paire ça, Wallman Hadim. C'est des chaussures pour faire de l'escalade, la tête d'homme. En fait j'ai pris tout simplement des chaussures montantes Nike. Donc c'est des Nike, regardez, voilà. J'ai pris tout simplement des chaussures montantes Nike, mais en fait parce que tu vois pour la moto, tu vois, c'est vraiment important d'avoir des chaussures, tu vois, quand tu fais de la bécane, pas des grosses motos, tu vois, mais quand tu fais de la bécane, etc. J'ai pris ces chaussures là parce qu'en fait, tu vois, ça te protège, tu vois, tes pieds du moteur, parce que quand tu mets des chaussures, tu vois, à court, tu vois, comme ça à court, genre, et le moteur, frère, la tête d'homme, il brûle tes pieds, ma gueule. Du coup, voilà, ça c'est des chaussures un peu, tu vois, pour faire un peu de sport, pour la bécane, tu vois, quand tu veux monter avec tes sables sur une moto, etc. C'est vraiment des belles chaussures. Donc voilà, c'est des Air Max. Voilà, c'est classique, c'est Nike. Franchement, je les trouve super bien. Voilà, il y a les suspensions, elles sont super confortables aussi, la famille. Donc voilà, la famille, en fait, j'ai fait un petit peu le tour des chaussures. Donc je vais vous montrer ça. Donc regardez, franchement, c'est un gros bordel. Donc voilà, j'ai vraiment pas mal de chaussures, comme je vous dis, parce que je suis un mec qui kiffe vraiment la sape, etc. Donc comme je vous l'ai dit, dites-moi dans l'espace commentaire quelle paire vous préférez le plus et quelle paire vous kiffez aussi, que, même si elle n'est pas ici, quoi, quelle paire vous aimeriez acheter plus tard, etc. Donc sur ce, bah on arrive tout simplement à la fin de la vidéo, la famille. Donc n'hésitez pas à mettre le petit like, le petit commentaire, à vous abonner à la chaîne si c'est pas fait. Et nous, bah la famille, on va se dire à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Sur ce, ciao la famille.